Salut les gens, c'est Sam, on se retrouve sur Stellaris avec TK, Oui. Féa et Keen. Salut les gars! Oui. Salut tout le monde! Salut les copains! Copains Ouais, pour on a l'instant. trop hâte de reprendre notre partie là. Ouais. Pour l'instant, on explore. Pour l'instant, on est bon. Et pour l'instant, la diplomatie est nulle à chier! Je veux juste te dire. Je suis en train de faire doubler Communication par établie. Le conclave Kaloktora. Oh! Ça fait penser à une coloscopie, mince, c'est qui à ça? Moi, cet enfoiré. Hey, oh! Conclave comment? Kaloktora. Oui, c'est bien une coloscopie, on est d'accord. Oh là là. Le manque de respect. Ouais, alors je viens de comprendre un truc. En fait, ils refusent pas tout pour l'instant, mais en diplomatie, il faut que je passe au-dessus de cordial, je pense, pour réussir à faire des négociations avec lui. Oui, ça c'est comme avant, par contre. Ah ouais, ok, ça marche. Et puis voilà, les scientifiques, ça bosse. Bon allez, on va essayer d'être gentil avec eux, ils sont méfiants et écrasants. Il est peut-être temps de... améliorer les relations. Du coup, je tente un truc, j'ai envoyé un émissaire dans la Ligue Zelvanienne pour, parce qu'ils sont xénophobes. Construction complete. Et essayer d'être copains un peu, quoi. Crédit. Bien de conso. Special project allez, complete. Hop. Quoi, c'est tout? Est-ce qu'on peut échanger des communications? Colonization in progress. Apparemment, on peut, bon. Mais il connaît personne. Attends un peu pour notre premier. Mais ils ont. Ils ont changé complètement les relations diplomatiques. Je viens de payer une fortune. Ça sert à rien, ouais, faut attendre. Il a pris la thune. Et il me dit, je te merde. Ouais, c'est bien. Ah, bref. Ça fait normal, quoi. En fait, l'archiviste, il est chiant. Il m'a coupé en route, j'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il te fait, l'archiviste? Il m'embête. Ah, triste. Il m'embête un peu. Pas son genre, m'embêter les gens. En même temps... System survey complete. On peut reconnaître un système. Oh non. C'est qui ça? Il est déjà en train de construire. Ah, j'ai encore rencontré des gens. Matrice préservative, ça va-t-elle m'aider? Est-ce que j'en veux de ça? Quand même un peu, là. Celle-là, oui. Ok. Il est temps d'avoir une petite flotte, quand même. Je pense, oui. C'est pas si con que ça. Ce qui veut dire que on va voir le refit. Ça y est, je suis au max de mon extension d'Empire. Déjà. Moi, je suis embêté. J'ai des populations qui sont... manque de... bureaucrate. Ah. Pas en mettre là-dessus. La première colonie est enfin disponible. Non. Ouais bah. Alors... Un esclave. Moi non plus. Les corvettes des groupes s'appelleront les groupettes. Parce que c'est bien. Restez groupettes. Voilà. Ah, il me fait rire, faut pas me faire rire. J'oublie ça tout le temps. J'ai pas dit autre chose, hein. J'aurais pu appeler ça les soubrettes, mais plateforme de défense, c'est pas con, tiens. Ok, on va reconnaître ici. Là, il a pas de scientifique, il est coincé. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'arrive? Entités cristallines, elles sont fascinantes. Allez. Pas une super flotte de corvettes, les gars. Un côté. Construction. Et hop, je me suis fait téléporter. Il est en train de conquérir à une vitesse monumentale locale. Oh, mais on peut s'étendre. Et qui veut? Ah, il m'a clairement dit, vous ne passerez pas. Oui, je connais cette expression. Ça. Un vieux monsieur en griffe disait ça, c'est vrai. Et c'est pas le père Fouras. Non. Mais ça s'est pas mieux terminé. Ah oui. Bah ça dépend pour qui. Non. Un poste d'observation, mais oui. Mais tout à fait. Enquêter sur le système. Reconnaissance du système. Grosse perte de crédit là. Ouh là là là. Oh, moi c'est la grosse perte de confiance. On va devoir faire une flotte. Je déteste faire des flottes. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'il me déteste là? Research complete. Ben voyons. Ça va mieux. 452, nombre d'emplois de pop, 22. Ouais, bah il faut du monde, hein, ça va venir.
Ce qui veut dire qu'il faut que je stocke les minéraux, parce que ça va coûter cher, je vais avoir 3 planètes à occuper là. Et bah moi j'ai 3 gars en train d'améliorer les relations avec le même type. Et bah moi c'est pareil. Et du coup... Ah tu peux augmenter le nombre d'émissaires ? Bien sûr. Non, au départ on a pris des trucs pour ça nous. Ah ouais. Oui, nous c'est parce qu'on en a 3 en fait. Oui, j'en ai 3 aussi. 9. Bon ça t'en as 3 aussi. J'ai 3 émissaires, oui. Parce que je suis un homme très chaleureux, je suis pacifique. Je refuse que tu en aies 3 aussi. Ok, Gravinium, on voulait un truc. Comme d'hab. Il était bien de conso, corps. Parti. Dégâts provoqués par les armées, plus 5% minéraux produits, plus 5, ou alors le canon électromagnétique. Oh, choix difficile. Le canon. Mais qu'est-ce qui me fiche là ? Neutre. Construction complete. Oh là 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 là, c'est une cata. Qu'est-ce qui est disponible ? Allez. Je joue l'itoïde, et en fait, la nourriture, c'est mon économie, les gars. Vous vous rendez compte de la situation ? Bah c'est comme moi. Tout pareil, hein. Ouais, mais toi, t'en produis plus de sang, c'est pas... Non, non, c'est fini, ils sont passés commerçants maintenant, les gars. Ah. Oui, bon, bah, c'est pas, hein. Commerçants, donc voilà. Hop là, et puis surtout, ils sont dans les labos. Monolithe, cool. On va devoir envisager de faire un deuxième segment commercial. Oh, je dépasse. Eh ben punaise, y'a personne là. Tu rigoles. Bon, je sais comment je vais verrouiller ma zone du coup. Et on va faire de l'énergie là. On va monter quand même ça peut-être. Exploiter à côté des stations non développées. Examen de surface, ça reprend toujours le même truc. Ça change de planète, c'est marrant. Goldras. Ah non, c'est pas la même, je parle trop vite. Compliqué tout ça. Oh, elle est bien celle-ci. Ah bah voilà, justement, je me demandais ce que donnaient les fouilles de mon site archéologique. Eh ben, le scientifique a enfin fini son travail. Alors. Eh ben. Construction complete. D'accord. C'est bien, c'est encourageant. Oui. C'est encourageant. Belle communication. Ah mais il est chaud hein, pour le multi, il est immur là. Hop. Du coup je suis désolé, je vais basculer encore en clavier anglais parce que ça m'embête trop. Attention à la sortie. Hop, on n'a rien vu. Je ne prends pas l'exilé, il est pourri. Froid et vide. Oh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est froid et vide. On va se choper le monde arctique, on va pas lui laisser, parce que plus tard, voilà. Là, je suis monté à 56 sur 52. Ah. Ouais, bon. Je me connais. Ok, youpi. Par contre, côté défense pour le départ, vraiment bien placé, hein, merci. Bah merci de rien. Hein. Décision planétaire. Olé. Amélioration de la flotte, oui. Ouh, les cristaux rares. J'aime ça. Ships upgraded. Pour l'instant, on a vraiment pas besoin de faire un nouveau truc. Même si j'aimerais bien balancer quelques marques en plus. Complete. On va voir d'unités de plus. Bon, allez. Ah, il y a une planète là. Quand même là. Bon, on la laisse. Alors, ceux que j'observe, oh, ils ont plein de trucs. Ils sont xénophobes, pourquoi ? Les gens sont méchants. Trop d'aliens ? On va pas se l'an ? Oups. Ah ! Tu m'as trouvé où ? Ah, Wistral. Hey, non, moi je vois quelqu'un, mais c'est pas là. Moi j'ai croisé quelqu'un à Rushba. Et toi, okay. T'es à Pildram ? Pildam ? Wistral. Non, bah non, c'est pas moi. Trig, The Glan, tu l'as vu ça ? Seb, Sarah, Assassin.
T'es dans le haut ou dans le bas? Et près du... C'est au milieu, vers le haut. Allez, on va les endoctriner. Je suis encore loin. Oh, ça n'est pas grave. Du coup, oui, tu disais quoi? Faire quoi? Ah, j'ai rencontré quelqu'un au système SOAO. C'est pas toi, faire. Non. Ça y est, archiviste m'aime bien. Ils veulent un pack de non-agression. Oh, que c'est chouette. Bah ouais. Vu Cordial, la base de défense. Proposer un pack de non-agression. Voilà qui est bon. Un pacte commercial. Voilà qui est bon. Je suis passé en amical. Ça va de plus en plus vite. Pack de recherche. Oui. Bah voilà, quand même. Amiral de selon des relations avec trois bonhommes, c'est que plus un. C'est que plus trois, je sais pas. Au total, plus un par bonhomme. Allez, hop, je la veux pas la planète là pour l'instant. Bon, ça va mieux. Et je vais voir la ligue du coup. La famille. Ah non, oui, pas eux. Pas la famille. Ah non. Ah, les petits escargots de l'espace. Oui, ils aiment bien. Ils sont infernaux. Avec leur petit cœur, c'est une des trois nations de Tekamon, ça, avec leur petit cœur. Ah là 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 là. Ah, j'ai découvert un truc. Avec un vaisseau qui est construit. Est-ce que j'ai le droit de dire un truc dans ma vie? Alors, les escargots, bâtisseurs de fédération, ils sont fanatiquement égalitaristes, pacifistes, partage du fardeau, paradis agraire. On vous avait dit qu'il aimait bien. Voilà. Bon, il me faut de l'énergie, parce que... Punaise. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Qu'est-ce qu'il y a? Le curateur Order, je les ai rencontrés, je suis content. Oh. Bah, tu m'étonnes. Allez, on va vendre... En plus, on est en boucle sur les artefacts mineurs. On va en vendre plein. Allez, on va payer, c'est parti. Tout ce qu'on a, on paye. C'est bon, c'est vachement bon. Tiens, l'escargot, prends 1000 crédits. Voilà, tiens. Bah, ça va, tu m'aimes maintenant un peu? Pacte de non-agression, pacte commercial. Bien, alors on y est, on ne doit plus gagner la moindre portion d'influence. On va faire une fédération avec tout ce beau monde. Je me demande si je vais pas aller la prendre, elle. Allez, go. Pour exposer des artefacts dans les musées, attention, tout cela est bien temporaire, hein, les artefacts. Hein. Oui. Là, oui, Féa, je le te vois. Ah, travailleur culturel. Je n'ai pas des travailleurs de culture, d'accord. Non, bon. La famille. On va devoir faire un petit vaisseau scientifique. Féa, t'as une mais. Ah oui, t'as ton chantier naval. Oh, ça picote. Eh oui. Allez. Du coup, je prends diplomatie pour diviser par deux mes frais diplomatiques, parce que ça pique, sinon. Oui. Féa, mon bon Féa, es-tu mon ami? Non, tribu. Tribu? Non, pas tribu! Ah non! Alors, on peut pas faire un pacte commercial? J'en ai déjà assez, avec tout le monde. Hein, Féa? Je sais pas. T'es le seul avec qui ça serait vraiment rentable. Pour moi, t'as de thune. Ok, là, elle, on s'en fout. C'est vrai que j'ai rien pour l'instant, c'est pas possible. Alors, on est des Jurassiens. Oh, Essential est loin devant moi. En quoi? Je sais pas, au score. C'est la pop. Là, voyons. C'est bien beau d'accuser les autres tout le temps. J'accuse pas les autres, j'accuse tous les autres. C'est pas plus mal. Tac. Ah, il aura pas ce système là. On va le couper là. Bon, en même temps. Oh, on a encore rencontré des gens. C'est magnifique. On en est où d'ailleurs en unité là? Ah, il reste encore un truc, je pourrais avoir un atout bientôt. Dans un mois. Ah cool. Bon épisode. C'est plutôt bientôt. Special project. Et pas identifié. Oh non, le rubricateur. Eh ben on va leur rendre leur minerai. Et gagner 100 d'influence probablement. Peut-être. Qui sait. Oui.
T'as ton rubricateur, toi? Tu l'as eu? Oui, je dois faire des recherches là-bas si je veux. Oh, je suis deg, je l'ai pas, moi, ma planète relique. Comment... C'est la première partie au monde que je fais sans ma planète relique. Comment c'est possible, cette histoire? C'est scandaleux. Ouais, du coup, la question se pose sur la prérogative impériale, les 20%, 20% en plus, finalement, capacité administrative. Mm-hmm. Ça m'empêche pas d'être dans la misère, moi. Comment on fait pour renvoyer un diplomate? Renvoyer un diplomate? L'envoie ailleurs. Il faut que tu ailles. J'ai essayé, mais faut améliorer, mais ça. Bah, en dégrader les relations. Là où tu c'est pas encore le faire, c'est tout. Ouais, tu vas pouvoir dégrader les relations. Dégrader, oui. C'est pas ça, et on clique dessus. Non, je sais pas, je dis ça, mais c'est une bêtise. Hein. Oui, oui. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais. C'est complètement une bêtise. J'étais en cold on, en fait. Pour ça. Clairement, probablement une bêtise. Ah ouais. Ça dépend de sa taille de sa flotte et comment il s'entend avec son voisin, quand même. Bon. Bon, j'en suis repassé à 59,65. C'est quand même pas mal, les 20%. Ah, bah, je suis content que tu aimes. Et il tente d'aller assister la recherche parce qu'on n'est toujours pas à 200 points. C'est assez étrange, j'ai une étoile que je n'ai pas explorée. Un petit peu. C'est parti. On revient au journal de bord parce qu'il faudra faire tout ça. Antifice, 25 mois. On regarde en techno comment ça va. Hop là. C'est long. Pourquoi j'ai que des planètes à 25? Moi je comprends pas. Ouf, c'est pas normal. D'accord. Non, il y en a une à 23, pardon, dans le lot, dans les 3. Il dit ça pour briser le moral, mais l'écoute ouais, pas. Moi j'ai vraiment un départ moisi. Et je pense qu'il y a un bloquet. C'est moisi. Je suis vraiment contrit pour tous ceux qui ont un départ moisi. Alors, on va renommer la flotte. Parce que le vent qui chine le bouquet. Complete. Ah oui, c'est vrai que je suis en clavier anglais. Le marteau de Gru. An alien empire has established communication. Ah, communication établie avec Imperium. Et ben voilà, Xav. Clac. Marteau de Gru, oui. On va Pourquoi se nommer un amiral. C'est comment il est en train de foncer, Féa. Il fait une ligne droite. Et puis, tiens, je veux dire que j'ai bien un pote. Non, t'exagères un peu. Pourquoi je peux pas faire un pacte commercial avec toi et que je peux en Est-ce faire qu'il faut un émissaire? Voilà, j'ai un pote qui regarde jamais Stellaris, il n'aime pas ce jeu, il comprend pas. Mais mon premier amiral, ça va s'appeler Papa Albator. Voilà. Allez, dans 20 secondes, je t'envoie un émissaire. Putain, parce que moi, je vois rien du tout là-dessus. Ah, conclure un pacte commercial, je le vois, c'est parti. Il faut un émissaire chez toi pour faire des certaines relations. J'ai compris. Ouais, il y a eu quelqu'un chez toi qui est bien. Ils sont tous badass. Hein. Mais ça devrait nous aider, ça. Allez. Comment ça va me rapporter, cette histoire? Le royaume de Xav. Voici les groupes. Eh oui. Salut, Kin. 10, non. J'ai trouvé Kin. Bonjour. Oh là là. Perso, je fais centre commerce. Je sais pas pour toi. Ça doit t'aider aussi. J'ai pas de... Je connais un peu de fées, j'ai 46 de commerce, donc je suis à 80, c'est tout. Alors je viens de trouver aussi un peuple à créer. Mais j'ai Féa. Pas encore mes stations, ils viennent juste d'être construites, donc je vais augmenter ça de... Ah, pour une centaine. Ah, moi je veux tout ça, je suis... Féa. Oui. Est-ce que tu connais ton office xéno-équalistique? Non, je ne le connais pas. Ah bon? Moi je Explorateur, les connais, c'est mes voisins. Eh ouais, matérialiste, fanatiquement guitariste, c'est bien. System survey complete. Il est gentil. Oh. Ouais, c'est un gentil, hein, le Xeno. C'est pas comme la famille, là, le fichu escargot qui est en train de s'étendre. Ça y est, il m'a coupé la route. Ah ouais, mais dis donc, Xav, t'es un peu coincé, hein. Bah oui. Enfin, un peu coincé, attends, je vais me grouiller à bloquer pour te coincer, oui. Non, mais. Comment? Parce qu'on est vraiment proches, c'est bien tous les deux. Mais je voudrais pas te laisser toutes les belles étoiles, là. Oh, pff, tu peux, hein. Tout un no-man's land. J'ai pas de planète de ce côté-là. Ah si, j'en ai une là, tiens. 20. Une petite. Allez, en urgence. Je veux un scientifique, s'il vous plaît. Voilà. Et après, voilà. Quoi? Qu'est-ce que tu fous? Tu me demandes rien, mais... Ah ben, je sais que je n'ai plus d'argent, je sais. Oh, crash d'une navette.
Ah. Il faut aller sauver les survivants. Ce qui est terrible, c'est que ça passe tellement vite et on sait que c'est la dernière partie, là, ça fait mal au cœur. Ok, ben on va continuer à explorer, nous. On peut pas ? Pourquoi ? Ah, parce que les xénos, ils me bloquent le passage ! Bah voyons. Toujours la même chose. Oh non, mais ce jeu me hait, en fait. Oui. Il me met des failles sur une planète. Il n'y a pas que le jeu, d'ailleurs. T'es mais quoi, tu ? Des failles sur la planète. Ça doit paraître des bloqueurs, évidemment. Voilà. Ah, c'est cool ça, les petits bidonvilles, tout ça, c'est bien. Oh, ça fait des paysages. L'erreur administrative est si vite arrivée. C'est ça, c'est l'erreur administrative. Ouais, on va dire, on va dire. Colony established. Allez, on va lancer un vaisseau Columbiato. System survey complete. Comment je vois combien ça me rapporte, cette histoire. Échange mensuel 14, station, commerce. Donc on va laisser ça faire déjà. J'arrive pas à voir l'or que tu me rapportes, Féa. Dans quoi je vois ça, moi? Oh, tu vois commerce, ça te rapporte autant. Commerce, c'est mon commerce qui me rapporte autant. Où est-ce que j'ai vu... Je sais plus où j'ai trouvé l'autre. En archéologie, j'ai oublié le nom. Ouais, je vois rien non plus. Faudrait que j'aille voir là. De mon côté. Ah, on a trouvé la triade des guildes de Alvan. Oh. Ça, oh, c'est une ça des trois empire. Nations de Féa. Connais ces trois nations ici. Maintenant là. Féa, on a la triade et on a l'office xéno-écolistique. Au tout petit. Et ils ont commencé à faire une succursale, c'est bien ça. Ils viennent de me dire bonjour en fermant leurs frontières, bien sûr. Tu vas faire une succursale chez moi déjà ? Oui, quand j'aurai l'argent. Il y a 51 de commerce rien que sur la planète, imagine. Ouais. Au niveau de la configuration de la galaxie, t'as mis comment les planètes habitables ×3 ou est-ce que j'en ai des biens ?x2. ×2 pour les planètes habitables, comme on joue tout le temps en fait, j'ai rien changé. Oh. Trop d'infos d'un coup encore. Alors 4, 5, 6, ça fait loin là. On peut peut-être faire une petite défense ici. Research complete. Astéroïde repéré, ça va piquer ça. System survey complete. Yes. Me dis pas que c'est de l'énergie en plus à faire. Recherche. Oh non. Void Spawn. Évidemment, ce système n'était pas si. Bon. Encore un vaisseau scientifique partout. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué. J'arrive en limite d'empire déjà, tu vois. Allez, moi je m'en exploto. Est-ce que j'ai besoin de verrouiller ici ? Research complete. Thème à 20 de recherche sociale, évidemment. J'ai acheté un petit peu d'alliage, ça me manque. On va lancer une 7ème colonisation. Construction complete. Donc j'en ai 3 en attente, ce qui va me faire 15 points. Hein. Donc allons-y calmos, ça y est, je vais pas tarder à dépasser. Les robots arrivent. Hein. Mm-hmm. C'est dur. Ouais. Allez. Incoming transmission. Mais regarde, ça sera chouette pour le commerce. Eh ben, la Ligue Zelvaniem m'aime beaucoup, pareil. Accord de recherche, pacte non-agression. Ah ben, moi, tout le monde aime, mais ça m'a coûté cher. Très, très cher. Ah ben, ouais. Bien. Bonjour, tiens, d'ailleurs, mes planètes, oui, ça serait vachement bien de s'inquiéter. Alors. Amical. Ah, la Corp. Carrément amical. Et les escargots, ils sont comment? Cordiaux. Le papier. Archive. Ah, d'accord.
Bon, je reprends le marteau de Grou, gestionnaire de flotte. Voilà. Je suis en train de faire la gestionnaire de flotte aussi, c'est le temps. Mais pour problème d'énergie, donc j'attends un peu avant de la renforcer peut-être, je sais pas. Je suis pas dans l'urgence absolument. Ouais bah ouais. 4. Ah, des comportements sauvages sur une de mes nouvelles colonies. Oh, oh. Une petite partie de la population s'est montrée inhabituellement lubrique et agressive. Intéressant. Bonheur moins 10, criminalité plus 10. Non mais calmos. Ah. Le conclave de Kaloctora me propose quoi? Il me donne 190 crédits énergétiques, 500 minéraux et 2 faveurs. Je vais aller vérifier que c'est pas moi qui dois des faveurs. L'archiviste est chaud, mais il faudrait que j'aie une fédération à faire. Ça serait tellement mieux. La solution rouge pour pouvoir faire plus de personnes dans les logements. Voilà, mais ça va vite, hein. Je suis monté à plus 25. Je peux. Je sais pas quoi faire. Qu'une seule pop. Les faveurs qu'il m'a donné. T'as reçu des faveurs? Ouais, et des minéraux, il m'a donné plein de trucs, le conclave de Kaloctora. Les faveurs, ça reprend, c'est une idée qui a été piquée sur Civilization 6, ça. On a faveurs diplomatiques, on les échange contre des ressources. Ouais, je sais pas comment dépenser les faveurs qu'il m'a donné. Le problème, ça sert aussi à un autre truc, c'est qu'on a un congrès mondial sur Civ 6, donc je pense pas qu'on ait un congrès fédéral, intergalactique, et il y a un truc comme ça, entre fédérations. Les escargots me garantissent mon indépendance. Oh, ils sont forts, les baveux. Conclure un pacte de non-agression. T'es sûr, t'as l'argent pour ça? Non, ça ne sert ça à rien, hein, chef. Mais si. Ça montre qu'on est. Qu'on s'aime, en fait, tu vois. Tu vas mourir, il y a un portail dimensionnel, c'est pour ça que c'est la merde. Alors, les spécialistes 5% plus efficaces. Alors, la rubrique est temps. Marquée. Ah oui, d'accord. Alors je précise, si les personnes ont l'impression que tout d'un coup je me suis mis à jouer lentement, c'est que ma souris est encore en train de se vider. On va changer. System survey complete. Il sera bientôt détruit lui. Je dirais que j'ai exploré presque la moitié de la galaxie. C'est pas bravo. Tu m'as toujours pas trouvé. On est parti en 400 étoiles, hein, ou 600. Tout à fait, 400 étoiles seulement. 400, ouais. 400 systèmes en effet. Alors hop, on va continuer, on va se mettre là. Allez, c'est parti pour le rubrique, comment on appelle déjà ce truc là, le rubricateur, voilà c'est ça, on est parti dessus. Oh, mais pourquoi moi j'ai pas de chance? Mais je suis sûr que t'as d'autres choses terribles. J'ai rien, j'ai quoi? Tu m'as moi. Je suis hyper déçu, je te vois. Je vois pas ce que ça me rapporte pour l'instant, j'arrive pas à voir. Hein. Le pack commercial pour l'instant me rapporte que dalle. En même temps, il est peut-être compris, c'est 10%, c'est ça? Ouais, il doit y avoir plus 8 de commerce quelque part, quoi, et puis voilà. C'est ça, ouais. Oui. Allez, 51. Plus que c'était, hein. C'est plus que c'était, ouais. Ok. Allez, pour la diplomatie, il faut quand même avoir une flotte conséquente. On claque tous les alliages. Faites-moi passer en politique. Et je suis en expansionniste. Ah oui, c'est vrai. Moi, je vais rester en expansionniste parce que je suis pas encore fini. Moi si. Peut-être bientôt changer. Tu t'es fait couper par les fichus escargots. Ils se développent à une vitesse phénoménale. Non, c'est moi qui les ai coupés aussi. Construction complete. Ouais. Et façon là, je vais. C'est plus pour la fouille en fait, je suis en train de faire la fouille. Et puis t'as pris un petit trou noir là. Bah, tu t'es mis de côté un petit trou noir. Je sais pas si je vais y arriver à garder le trou noir. Je sais pas, je vois pas aussi loin moi. Ok, j'ai plein de ressources et je sais pas quoi en faire. Pourquoi ça se développe pas tout ça? Ah, ascendance stagnante, les Xani remnantes.
C'est mes voisins. Super. T'as trouvé mes voisins. Bien joué. Construction complete. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? J'ai vraiment trop de trucs en fait. J'ai acheté 250 alliages, tiens. Et puis comme j'aime les alliages, je reprends 125. Voilà, hop, 500 alliages de plus. Yves ne garantit plus l'indépendance de Grou. Hein? Pardon? T'avais garanti l'indépendance de Grou, et ben maintenant tu peux rentrer chez lui à cause de la trêve. Tu t'es ouvert les frontières. Par contre, tu lui as aussi ouvert les tiennes. Allez. On creuse le rubricateur dans un chien, on creuse, garanti. Allez, on est parti, on continue à s'expandre. Non, oh, mais il ne fait rien, lui. Pas bon, ça. C'est pourri, hein, c'est trop bon, cette histoire. Et prendre tout ça. Celui-là, est-ce que j'ai le droit de le prendre? Celui-là, j'ai le droit de prendre, c'est le trou noir, j'ai pas le droit de prendre. Ah, il me bloque bien. Vous me bloquez, je peux pas explorer. À... T'es protégé, Slan. Moi? Oui, parce que je peux pas passer à cause de l'office, ni à cause du Xani Remnant. Je connais pas l'office. Ah, mais il est au sud du Remnant. Et en fait, par aller à gauche, c'est bloqué. Eh ben tant mieux. J'aime pas les gens agressifs. Tu es un arbre agressif. Moi? Oui, et puis. Ah, en... si, je peux passer, ça y est. Et puis en plus, je t'avouerai que t'es moche. Ouais, je ressemble à un grand bâton. Ouais. J'attends ton argument, du coup. Moi, j'aime bien. Non, j'allais dire une bêtise, mais je me tais parce que. Oui. Je crois que c'est mieux. T'as bien fait. Je suis pas moche, je ressemble à un grand bâton. Pourquoi pas? Mais tout est imaginable. Tout est faisable. Transmission. Attends, il voulait un pacte défensif, le Zelvania, il a rompu. Maintenant, il me demande, ok, un pacte non-agression. Bah voilà. Eh bien, les enfants, nous venons de passer en 2219 et on va s'arrêter là. Oh, mais c'est pas possible. Non. Bah si. C'est terrible. Bon. On est compte malheureux. Du temps qu'on va devoir attendre avant de rejouer. Ouais. Oui. C'est terrible, oui. Toute la semaine. Ah oui, par contre, ça va être horrible. Ça va être terrible. Mais c'est sympa. C'est sympa. Terrible. Bon bah écoutez, moi je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce let's play. J'espère que ça vous plaît, à vous aussi viewers. Je vous rappelle qu'il y a 3 vues. Une vue chez Keen, une vue chez Tekamon, et évidemment la meilleure vue chez moi. Féa ne fait pas de vue, mais c'est pas grave du tout. Hein. En général, il n'y a pas grand chose à voir chez Féa. Voilà. Méchant. Ça se passe bien pour vous? On grossit gentiment, ouais. Oh ouais, 69 sur 65. On va jeter un petit coup d'œil au score, puisque je vous rappelle que c'est une game au score. Essentiel à 1237, Matrice à 1225, juste derrière, et après c'est vous. Mais je vois pas vos scores. Bah écoute... Xav 825 en points, moi j'ai 929 points. Ah ils sont carrément super loin derrière hein, les pauvres. Eh oui. Mais t'as bien remonté, tu vas me dépasser au prochain épisode sans le moindre souci normalement. Le bluff. Voilà. Bon, j'ai pas de flotte, mais ça compte pas. Je fais des relations commerciales avec tout le monde. Allez, je vous remercie. Et de l'argent. Eh oui, eh oui. Salut les gars. Ciao tout le monde. Salut à tous.